Salut les voyageurs. On se retrouve toujours dans le cadre de notre périple de l'été 2020 dans la région de Vannes et du golfe du Morbihan après être passé successivement par La Rochelle et la région de Nantes. Et je souhaite te présenter maintenant le camping Le Penboc à Arradon, juste à côté de Vannes, pour la qualité de ses infrastructures, mais surtout pour son environnement splendide. Quand on arrive au camping, trois possibilités. À droite avec une barrière directement, en face ce n'est pas du tout le camping, et à gauche l'entrée principale. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. La partie 1 est une annexe, donc la barrière empêche de rentrer pour le moment. La partie 2 en face, c'est un centre spirituel, un autre type de vacances. Et enfin, la partie 3, c'est le camping lui-même. On va donc s'avancer jusqu'à la barrière qui nous mène à côté de l'accueil. Un certain nombre d'informations dont les tarifs sont disponibles dès l'entrée. Vient ensuite une zone qui est une petite aire de jeu. Et on se dirige maintenant vers l'accueil où il est possible de garer temporairement, typiquement son camping-car, en arrivant. Au niveau de la réception, on va trouver encore d'autres panneaux d'affichage qui donnent des informations très locales et qui particulièrement présentent la position idéale de ce camping par rapport au golfe du Morbihan. Voilà l'allure du camping en général, avec donc tout en bas la réception qui fait partie du même bâtiment que la petite épicerie et le débit de boisson, le bar. Ensuite, on va retrouver deux blocs sanitaires, un principal près de la piscine et un autre un peu au milieu du camping, très pratique. La zone de service des camping-cars qui est derrière la piscine, une double piscine extérieure et intérieure, les deux chauffées. Et en haut à droite, on va retrouver une des sorties principales pour aller à la plage. La deuxième se trouve dans l'annexe du camping. Et enfin, à titre d'information, l'emplacement que nous avions choisi, bien au calme. Commençons à nous promener pour retrouver ces pictogrammes. Donc on laisse sur la droite la partie finalement réservée à l'accueil. Et on va pouvoir à ce moment-là passer la barrière de l'entrée principale du camping. Sur la droite, on va retrouver la petite épicerie et le bar. En continuant un peu, on va arriver à l'espace des piscines, extrêmement bien entretenu, nous le connaissons depuis une dizaine d'années, il est toujours aussi propre, avec une partie piscine couverte dans le bâtiment triangulaire qui se trouve au fond à droite. Dans la série des emplacements qui étaient libres où on a pu se parquer le temps de trouver notre propre emplacement, voilà le style d'emplacement que l'on peut trouver. Et on arrive maintenant tranquillement au niveau de l'aire de service pour camping-car qui se trouve adossée au toboggan de la piscine. Aire un petit peu étroite mais facile d'accès, c'est pas évident vu la faible pente de faire absolument couler toutes ces eaux grises dans les coulées. En poursuivant un peu notre chemin derrière la piscine, on arrive à retrouver le gros bloc sanitaire sur la droite et au fond, le bâtiment triangulaire de la piscine couverte. Poursuivons notre promenade avec encore quelques emplacements et surtout, comme vous allez voir, l'observer, la grande mixité des différents types d'hébergements. On
emplacements libres, emplacements pour les camping-cars, mobil-homes, petits emplacements pour les tentes. Donc ce n'est pas du tout totalement sectorisé et ça rend le séjour très agréable. Ce camping est particulièrement ombragé et même si on est en Bretagne, en plein été, il peut faire sacrément chaud, comme vous savez probablement si vous êtes déjà venu dans cette région. Les mobile homes sont à peu près tous orientés différemment, ce qui assure quand même un certain environnement protégé, y compris sur les petites terrasses. On retrouve ici le deuxième sanitaire, le plus petit, qui était extrêmement pratique pour nous, typiquement. Et on poursuit maintenant sur cette ligne droite qui va nous amener à la sortie du camping pour rejoindre les plages. Les dernières travées de ce quartier, si on appelle ça un quartier, sont très mixtes entre effectivement les camping-cars, les tentes, les caravanes. Donc encore une fois ici, on n'a pas la sensation avec un camping-car d'être parqué dans des zones qui ressemblent plus à des parkings qu'autre chose. Très grands emplacements plats. Très facile de faire des manœuvres en camping-car puisque les chemins sont larges. On va pour l'instant laisser sur notre gauche la travée qui mène à notre camping-car pour s'intéresser à la sortie du camping qui permet de rejoindre les plages. L'autre sortie principale se trouve au niveau de l'annexe du camping, vue en début de vidéo. Nous sortons maintenant du camping et si on prend une vue aérienne, eh bien, en fait, on se trouve exactement à cet endroit-là. Et l'idée est maintenant d'aller se promener sur le front de mer. Pour cela, il nous faut contourner un grand champ avec des vues splendides et différentes. On passe ici sous la jetée et enfin le retour sur les plages avec de splendides couchers de soleil et de très jolies plages. Les voici en images. L'eau est fraîche, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit muret qui permet de rejoindre les plages, eh bien, il est plus ou moins proche de l'eau. Ici, dans l'image en haut à droite, on se trouve plutôt à marée haute, et parfois la plage est réduite à sa plus simple expression. Donc on n'imagine pas ici des plages, par exemple comme en Normandie, où on peut avoir 100 mètres de plage avant de toucher l'eau. Ici, on a quelques mètres de plage, bien suffisants pour contenir les touristes du coin. Tous ces paysages se trouvent environ à 5 minutes à pied du camping et contribuent au fait que c'est un environnement vraiment exceptionnel. Le centre spirituel du Penbok qui était abordé en début de vidéo a également pas mal de fronts sur la mer et bien entendu on ne peut pas le traverser pour rejoindre directement la plage. D'où l'idée du petit contour tout à l'heure du champ. Les plages que l'on voit ici sont exposées sud et ouest, ce qui promet de splendides couchers de soleil et notamment des moments de paix et de calme absolu, comme sur ces images en fin de journée.
revenons maintenant dans le camping et prenons dans cette dernière travée sur notre droite pour retrouver le tout dernier emplacement à gauche où nous avons élu domicile pendant plus d'une semaine. Nous avons eu un peu la flemme de réorienter le camping-car au soleil du soir, puisque comme tu vas le voir, eh bien nous avons le côté store et extérieur qui est malheureusement pas du tout du côté du soleil du soir. Au niveau des tarifs, eh bien on se trouve dans les clous par rapport à un camping 4 étoiles avec piscine, avec électricité à 10 ampères et grands emplacements. Cela représente environ 40 euros par jour en pleine saison. C'est quasiment moitié prix quand on est hors saison. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe également des emplacements dits grands conforts où, en plus de ce que j'ai évoqué avant, eh bien on va retrouver l'arrivée des eaux claires directement au niveau du camping-car et l'évacuation des eaux grises. Pour nous, l'emplacement confort standard, on va dire, a été nettement suffisant et très très confortable. Revenons un petit peu sur l'environnement d'exception et particulièrement ce que l'on peut voir depuis la jetée du Penbok le soir, et je te laisse contempler environ 2 minutes d'un coucher de soleil magique. Alors, que voir dans la région à environ 1 heure de scooter? On peut faire un saut à l'Orient qui mérite assurément d'être vu. On peut également partir voir Karnak et ses alignements. On peut aussi se rendre sur la presqu'île de Quiberon et ses magnifiques côtes. Et tant qu'on y est, si on est à la presqu'île de Quiberon, pourquoi ne pas aller faire un saut à Belle-Île-en-Mer? Par ailleurs, la ville de Vannes mérite plus que le détour. C'est une splendide ville que vous aurez l'occasion de bientôt découvrir plus précisément. Dans cette même prochaine vidéo, on pourra aussi découvrir une partie du golfe du Morbihan, une petite partie qui nous a beaucoup enthousiasmés. Il s'agit de Port Navalo.
Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo. J'espère que la vision de ce camping et surtout de son environnement splendide t'aura plu autant qu'à nous. Dans un prochain épisode, eh bien, on finira quelque part la balade de l'été 2020 qui se terminera au niveau du golfe du Morbihan avant de rapatrier vers la Suisse avec deux étapes France Passion. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos, elles aussi très structurées. Et à bientôt !